Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 4 mai 2021 et voilà, je suis sorti de ce rayon de 10 km. Je suis parti vers les Hautes-Rivières, entre Nau et les Hautes-Rivières, et je suis heureux dans les bois là, j'ai retrouvé le côté sauvage que j'aime bien, et puis pouvoir sortir plus loin, pour moi c'est important. Voilà, bon bah ça y est, il pleuviote. Bon bah je continue, c'est un beau chemin, un très beau chemin, tout petit chemin forestier comme j'adore. Regardez-moi ça. Et puis bah on est au-dessus de l'Assemois. Voilà. Eh bien, je suis bien content sur mon parcours. Je viens de croiser une personne que je connais bien, que j'aime bien, Séverine Fauquet, qui tient au pied de la Voie, à Nohant-sur-Semois. On en a profité un petit peu dans les bois pour faire un petit brin de causette. Pas de masque, c'est vachement sympa. Donc elle m'a dit que sur ce chemin-là, je devais tomber normalement sur un site de parapente. Mon Alexandra chérie que j'aime, je t'ai trouvé, ton petit papy t'a trouvé, un chemin à la con pour notre prochaine rando, tu vas voir. Voilà, donc je suis sur le site du parapente de Nohant-sur-Semois. Il m'a fallu grimper un sacré paquet de temps. Et puis c'est là que je vais casser la croûte, ce midi alors. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'endroit où je vais manger. Et vous voyez, j'ai tout sorti déjà. Et on va aller voir de plus près. Alors c'est simple, c'est un quart de tourte de chez mon boucher de Revin, Cédric Coutel. Et puis alors, donc, il y a un bon morceau de thon de chez mes amis au Pied de la Voie, Séverine et Christophe Fauquet, ainsi qu'une belle pomme à croquer qui vient de chez eux également. Donc voilà. Puis toujours ma bouteille d'eau pour se réhydrater. Voilà les petits copains. Bel endroit, On peut pas rêver mieux pour casser la croûte. Mon bon pain de chez Fritzinger à fumer, mon boulanger. Non mais, moi je vous le dis franchement, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Bon Cédric Coutel, je vais goûter. Eh ben, ce bon pâté en croûte là. Oh putain. Quel goût. Quel parfum. Magnifique. On n'est jamais déçu. Jamais. Voilà ma bonne tome de Hopi de la Voie. Il y a toujours des bons produits dans cette épicerie qui ne fait pas qu'épicerie. Ça fait brocante, ça fait tout là-dedans. Faut y aller. Faut y aller, c'est à Nohant-sur-Semois, au Hopi de la Voie. Avec Séverine et Christophe Fauquet. Voilà, il y a des produits bio, enfin, tout ce que vous aimez est là. Ça vaut le coup. Magnifique. Oh mon vieux, je me suis bien régalé. En plein air comme ça, avec la tourte, le fromage, la pomme, le pain, la flotte. Mais sur les hauteurs comme ça, même s'il fait pas beau, même si j'ai pris la flotte tout à l'heure sur le coin du bec, manger dehors, sol avec la nature, c'est quand même le top. Pour moi c'est ça, la liberté et rien d'autre. Allez, à bientôt. Voilà. Mon petit plan final.